touche, ma carte. Ouais, c'est bon. C'était juste un détour. Ah, bah voilà. De toute façon, on en aurait vu quand même. Avec un petit boss rôdeur Dragondos qui s'appelle Elrwyn. J'ai plus d'adrénaline. Quand même, hein, faut pas négliger ça. Donc apparemment, il y avait un mob derrière. On va continuer notre chemin, tout en évitant ces tours. Normalement, c'est encore le blanc manteau qui est là. Voilà, garde de la tour de guet. Hein, justement, c'est ce mob qu'il faut éviter. Hop là, pardon. Ça me revient un petit à petit ces missions. Hein. J'ai même pas fait la mission bonus avec celui-là. J'avais torché le. Enfin, j'avais rushé le truc plutôt. Et donc là, si je remets ma carte, hein, désolé, je remets ma carte souvent. Ouais, on devrait arriver. Donc si on va par là. Oh, là, il y a une tour, faut faire attention. Donc, on va contourner par là. Et là aussi, il y a une tour. Donc on va faire attention. Ah bah, c'est entre. C'est hante et on va taper Corbin le droit. Donc on va faire venir tous les héros ici au plus près de moi pour éviter qu'ils poulent derrière. Ok, on avance. On avance, on avance. Je vais appeler tous mes héros ici. Et on va laisser les bestioles se battre. Donc on a tous nos héros ici, hein. Ok, ils sont tous là. Les autres arrivent, d'accord, même des bestioles, c'est bon. On va laisser les esprits et les héros se taper dessus. Pourquoi je peux pas... Je peux pas passer ça. Ah, c'était pas par là. Ah, c'était plus par là alors, je crois, non? On se fait un sacré paquet de mobs. Alors là, je suis un peu bloqué parce que je ne me rappelle plus trop où est-ce qu'il faut aller. Au pire, je vais vite regarder. Pas vite regarder. Hop, on va taper ses mobs. Là-bas, il est mort. Je me demande si c'était pas là, il fallait que j'aille. Ici, là. À ce village-là. Faut que je fasse demi-tour. Bon, je vais faire demi-tour. Et je vous reprends là-bas. Donc, nous voilà au village en question. On arrive vers le village où il faut rencontrer Dinas, pardon. On arrive sur le village qui est entouré de morts-vivants et du blanc manteau. Tac. Toujours en évitant de se faire repérer. Une fuite de teinture marron, ça je prends. Toujours en évitant de se faire repérer par les tours. Hop, j'enlève la carte hein, pour plus. Non, c'est cette touche là. Hop. Normalement, ici c'est bon. Il y a juste des justes ici, il n'y a pas de tour en question. Donc
Donc on va faire le tour par le côté. Ok, Dina c'est ici. Ça c'est parfait. Ici on a un levier, j'avais vu. Levier. 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 Où c'est que j'ai vu un levier? Écrit en jaune, levier. Ah bah c'est derrière la porte. Ici on a juste un petit zélote. Ils sont différents des justiciers. Merci monsieur pour le moment. Ouais, on va rencontrer Dinas. Normalement Dinas je l'avais vu. Où est-ce que j'ai vu Dinas? Hop là. Et là on arrive au QG du blanc manteau avec Dinas apparemment. Dinas qui est un infiltré. On va mettre les héros ici. Comme ça. Tac tac tac. Tout le monde est là, tout le monde est là. On parle à Dinas. Mes amis, quelle joie de vous revoir. Quand je vous ai rencontré à Alessio, je ne pensais pas que je vous donnerais un jour le sceptre d'or. Vous devez faire vite. Les fanatiques seront bientôt là. Je vais vous montrer le chemin le plus court. À l'est, se trouve un pont qui mène de l'autre côté de la rivière Ulen. Tenez-vous à l'écart du sentier battu. Et surtout, évitez les tours de guet. Beaucoup sont morts pour ce sceptre. Protégez-le comme votre vie. Le blanc manteau qui a été repéré par les mignons. Le sceptre d'or! On l'a volé! Les voleurs se dirigent à l'est, vers la rivière d'Ulen. Ils n'iront pas loin. Il y a deux tours de guet entre ici et la rivière. S'ils les passent ou s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute pour réfléchir, nous les attraperons. Celui qui vole le blanc manteau ne vivra pas assez longtemps pour en profiter. C'était désactivé le levier. Parle au levier, voilà. Donc là, on a le sceptre d'or. C'est génial. À l'est, vous trouverez un pont. Ouais, ça, c'est, t'as dit la même chose avant. Donc là, on a le sceptre d'or. Donc il nous donne une régène d'énergie. Et ma foi, je peux le poser, il me semble. Et donc, on va refaire le chemin. Je vais mettre la carte. Parce qu'en fait, j'ai coupé. L'allée était là, après on était là, on a fait ça. Et on va reprendre ce petit, les petits chemins qui sont juste à côté. Tac. Pour pas trop se faire repérer. Bon, on l'a fait une fois, on s'est... je me suis pas fait choper. La première fois, je vois pas pourquoi je me ferais choper. La deuxième fois, vraiment, à moins que vraiment je sois inadvertant, mais ça m'étonnerait. Le temps de marcher, parce que je pense que le boss moine qui est, que j'étais là-bas, c'était la suite du truc. Le temps d'arriver à l'emplacement de traverser la rivière, je coupe et je reprends tout de suite. Donc, nous revoilà sur la partie, on va dire, pour eux, critique du jeu. Hein, c'est bien de passer entre les deux tours sans se faire repérer. Normalement, quand on arrive ici, il faut taper le boss moine qui nous embête pas et rencontre Seydra qui nous rejoint.
le sceptre d'or. Ah, le moment de châtier nos oppresseurs est enfin arrivé. Je pensais que nous avions volé le sceptre pour l'éloigner du blanc manteau. Comment allons-nous l'utiliser? Nous ne pouvons pas. Seul Kilbron peut l'utiliser. J'ai négocié un traité avec l'ancien conseiller du roi d'or. En échange du sceptre, le vizir a accepté de nous aider dans notre lutte contre le blanc manteau. Le vizir Kilbron? Comment un seul homme pourrait-il accomplir ceci? Le vizir est un mage très puissant. Il peut nous montrer le chemin vers la victoire. Le soleil va bientôt se lever, et nous devons nous préparer à partir à la rencontre du vizir. Des nouvelles de Marquis? Marquis? Non, pourquoi en aurais-je? Il ne vous a pas rejoint au temple? Non, il n'en a jamais été question. Peut-être qu'il nous rattrapera au dock. Allons-y. Même le blanc manteau peut retrouver son chemin par-delà la rivière. Mieux vaut être déjà loin quand ils arriveront. Et nous voilà au récit sacré qui sera notre prochaine mission coop. Hein. Donc nous avons en notre possession le sceptre d'or et nous allons rencontrer le vizir Kilbron qui vient apparemment du royaume d'or qui a été englouti, malgré ce qu'il dit, hein, il a été englouti juste avant l'histoire de Guild Wars. J'ai oublié comme d'habitude l'âme de Rurik, comme d'habitude pour pas changer. Je crois qu'on va l'oublier complètement, à force. Sur ce, je vous dis à bientôt.